Et bonjour les amis, rebonjour. Donc on se retrouve pour le pronostic du Quinté Plus du samedi 13 octobre 2018. Étant donné que la course est ce soir à 20h15, bon, je vous ferai une arrivée à part tout à l'heure ou demain matin. Donc, je commence tôt demain, je vous la ferai demain matin de bonne heure. Que dire de plus? Donc jouez modérément. Likez la page, faites la vidéo si elle vous plaît, partagez, abonnez-vous, commentez, hein, enfin vous connaissez le tir coin coin, hein, on va dire. Pour ce qui est du jeu simple, donc pour le jeu simple, jouez 5 euros gagnants, 20 euros placés. Si vous avez joué les chevaux du jour, vous l'avez vu, ça rapporte pas mal. Donc c'est 20% gagnant, 80% placé. Voilà, donc c'est 5 euros gagnants ou 10 euros gagnants et 40 euros placés, 5 euros gagnants et 20 euros placés. Voilà. Alors, pour cette course du samedi 13 octobre, donc ce sera à 15h15, ce sera la R1C4 à Maison Lafitte, c'est le prix des bords de Seine. Donc c'est du plat sur 2400 mètres et il y aura 16 partants. Donc mon favori sera le 4, Louis. Ma base sera le 5, Goderville. Pour mes outsiders, donc là c'est un peu particulier, donc j'ai mis le 1, Bagel. Le 7, Bardar Bung. Et le 11, Go Fast. Donc mon jeu simple sera le 4. Pour mon second favori, ce sera le 5. Et mon tocard sera le 1. Donc mon regret sera le 16, Galdan, et mes interdits, je n'en vois pas. Donc, comme d'habitude, mon jeu à 8 chevaux sera à la fin de mes conseils de jeu, de mes pronos. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir les 8 chevaux pour jouer, si vous voulez jouer le tiercé écarté quinté à 8, ou si vous voulez piocher dans les 8 chevaux. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, enfin, la fin, entre parenthèses. Voilà, donc on y va pour le conseil de jeu. Donc on commence avec mon 2 sur 4 combiné, mon 2 sur 4 tout simple, pardon, qui sera à 3 euros. Ce sera le 4 et le 5. Pour mon 2 sur 4 combiné, qui coûte 9 euros, ce sera le 4, le 5 et le 2. Pour mon couplet, qui coûte 9 euros, ce sera le 4, le 5, le 2 et le 1. Pour ce qui est de mon multi en 7, un champ total, ce sera le 4, le 5, le 2, le 1, le 7 et le 10. Pour ce qui est de mon Quinté Plus, un champ réduit, par contre qui coûte 60 euros ou 30 en flexi, ce sera le 4, le 5, le 2, et un champ réduit, le 1, le 7, le 10, le 11, le 9 et le 16. Donc le quinté plus champ réduit, je vous le donne. Si vous ne suivez pas, c'est pas grave. Et 60 euros et 30 euros en flexi, c'est énorme. Hein. Donc ne vous attardez pas dessus si ça ne vous intéresse pas. Hein. Passez au tick 3 et au jeu à 8. Hein. Voilà. Donc allons-y pour le tick 3 maintenant qui coûte 4,30 euros. Donc ce sera le 4, le 5, le 2, le 1 et le 7. Pour ce qui est de mon jeu à 8 chevaux, donc. On y est. Donc ce jeu a 8 chevaux, donc c'est juste pour ceux qui jouent le tiercé, quarté et quinté. Donc le tiercé c'est 59 euros je crois, un 8 chevaux. Après pour le quarté je crois que ça monte à 100 et quelques ou 80, 91 et le quinté à 100 et quelques. Donc c'est vraiment excessif, même en flexi. Enfin moi au début je les faisais en flexi, donc ça me revenait à 20 et quelques euros. Après là, bon, je suis passé à 54 et ainsi de suite. Mais là, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Je sais que tout le monde ne peut pas, donc je vous les donne au cas où, mais c'est à vous de voir. Alors, mon jeu à 8 chevaux donc, sera le 4, le 5, le 2, le 1, le 7, le 10, le 11 et le 9. Voilà pour mon pronostic quinté. Donc pour les arrivées, ben, je vous laisse voir ce soir. Je ferai peut-être l'arrivée après quand je rentrerai de ma course que j'ai à faire.
Pour ceux qui ont joué les chevaux du jour ou qui n'ont pas joué, allez voir le pronostic cheval du jour qui 2 sur 4 et multi et couplé qu'on a fait hier. Bon, c'est rentré pas des grosses grosses sommes, mais c'est pas mal rentré quand même. On a gagné quand même des sous. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les pronostics de demain du cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7. Il y a deux courses. Je mets deux courses tous les jours, en plus du quinté. Donc, ça peut vous intéresser. Ensuite, j'ai une chaîne secondaire. Donc, je vous mettrai le lien sur la vidéo. Vous aurez qu'à cliquer dessus. C'est une chaîne de pronostics sportifs. Donc, hier, on a fait un 2 sur 4. J'avais mis la France gagne par deux buts. Et bon, ils nous ont un peu déçus. Je pense qu'il n'y a pas que moi. Faire un 2-2 perdre 2-0 à la mi-temps et. C'est dur après. Voilà. Donc, allez voir cette chaîne-là. Et puis après, je vous dis, jouez modérément. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, que dire de plus? Jouez modérément et bon gain à tous. Et passez une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao!